Alors, j'ai un petit peu le sentiment ici de représenter tous mes amis des collectifs citoyens qui se sont créés dans les villes qui sont tombées aux mains de l'extrême droite. Donc 14 villes en tout en 2014. Nous travaillons beaucoup ensemble et l'expérience de Beaucaire, malheureusement, est à adapter à chacune des villes, en pire pour certaines, comme par exemple Béziers, Fréjus ou Hayange. Nous, à Beaucaire, notre maire, c'est Julien Sanchez. Alors, Julien Sanchez est au Front National depuis l'âge de 15 ans. Il a une idéologie très très forte, très ancrée, dont il est fier. C'est un proche de Jean-Marie Le Pen, qu'il qualifie de père. Voilà, pour lui, c'est un père de substitution. Il est proche de Marine Le Pen, mais plutôt par ambition, parce que lui, ses liens sont avec Marion Maréchal Le Pen. Il est donc proche des identitaires. Et d'une manière générale, dans toutes les villes FN, les mairies ont des liens avec les mouvances identitaires. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est ma bête noire, les identitaires. Parce que le Front National, il y a suffisamment d'organisations qui luttent contre le Front National. Les identitaires passent à travers. Et ce sont eux qui créent des liens avec toute l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Australie, enfin, vraiment partout. Et comme le disait M. Herskovitz, avec le Japon aussi. Voilà. On a notamment à Beaucaire un identitaire qui commence à être connu, Damien Rieu. Damien Lefebvre, dit Rieu, dit aussi Péri pour ses intimes des mouvements. Lui, il fait partie de Génération Identitaire, dont il est le porte-parole. Mais il est aussi membre du bureau du bloc identitaire, créé par Fabrice Robert. Il écrit pour F de Souche, pour Novo Presse. Il a fondé le magazine France avec Charlotte Dornelas, qui est une journaliste d'extrême droite, qui écrit bien d'ailleurs. Ça me navre de le reconnaître, mais il écrit bien, lui aussi. Il faut savoir reconnaître les talents de ses ennemis. Et il fait partie de missions de soutien aux chrétiens d'Orient avec SOS Chrétiens d'Orient, dont les liens avec l'extrême droite sont évidents. Il a évidemment manifesté à la Manif pour tous, aux côtés de Civitas. Il est très ami avec Philippe Vardon, qu'on ne présente plus. Voilà, donc on a ça dans Beaucaire. Il a fait déjà chez nous un séjour de 9 mois qui a été assez pénible parce qu'il a pris en main la communication de la ville. À l'époque, il était seulement chargé de communication, ça a déjà fait des dégâts. Et cette fois, il est directeur de la communication. Et il est accompagné par un autre identitaire qui s'appelle Clément Martin, qui est beaucoup plus discret, mais qui est secrétaire fédéral de Génération Identitaire pour... les Alpes-Maritimes. Ils mènent tous des actions violentes, partout. La dernière en date, là il y a le procès de Poitiers, mais la dernière action en date était à Calais contre les migrants. Ils ont bloqué 2 ponts, il y a eu 14 arrestations, donc il y aura encore un procès. Il y a eu l'histoire du raffio des identitaires, ils se sont... Alors là, je contredis notre blogueur, dont j'apprécie le talent par ailleurs, mais Défend d'Europe a été un naufrage dans tous les sens du terme, y compris sur le plan de la communication, parce que sur les réseaux sociaux, ils ont communiqué à force d'acharnement, mais par contre, ils n'ont jamais pu avoir de redondance dans la presse, grâce au ciel, très peu. C'est resté très limité. Et Damien Rieu, par exemple, a suivi ça au jour le jour. Il suffit de descendre son fil Twitter pour voir ce que ça donne. Donc, pour moi, très clairement, si vraiment vous voulez aider les villes qui sont sous le joug du FN, attaquez-vous aux identitaires. La communication passe par eux, la violence passe par eux, ils s'infiltrent partout et ils n'ont peur de rien.
ils n'ont honte de rien. Pardonnez mon langage, ils n'en ont rien à foutre. Mais vraiment. Et dès qu'on leur dit quelque chose, on est menacé d'un procès. D'ailleurs, ils m'en pendent un au nez, encore un, peut-être même deux d'ailleurs. On verra. Mais voilà, ils essaient de faire peur, ils sont partout. Et moi, je trouve ça très très dangereux. Ils ont des liens dans toute l'Europe, ils ont soutenu les suprémacistes blancs à Charlottesville, ils ont minimisé la mort de la militante américaine qui s'appelle Heather, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. Je trouve qu'il n'y a aucun... Contrairement au Front National qui a une façade respectable, on sait ce qu'il y a derrière, mais il y a au moins un effort de respectabilité et de normalisation. Je n'aime pas le terme de dédiabolisation, parce que dédiaboliser, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas être ce qu'ils sont, et ça, c'est faux. Mais les identitaires n'ont pas cette façade respectable. Ils ne veulent pas l'avoir, mais par contre, ils s'infiltrent dans toutes les couches de la société. Ils sont en train de monter toutes les marches. Ils arrivent à se faire élire. Philippe Bardon est quand même conseiller régional en région PACA. Et Philippe Bardon, c'est quoi ? C'est un gros tas de violence et de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il suffit de lire ce qu'il a écrit. Il a quand même commis plusieurs ouvrages. Il a eu plusieurs procès. Ces gens-là ont des liens étroits avec la justice, mais du mauvais côté de la barrière. Et malgré ça, ils ont des postes de confiance dans nos mairies. Et ils arrivent à être représentatifs d'une partie des Français. C'est absolument aberrant. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais nous, notre expérience locale est assez catastrophique. On sait que notre association est une petite association créée tout de suite après la victoire de Julien Sanchez. Bon, nous sommes 30 adhérents. Pour une ville comme Beaucaire, c'est pas mal. On se sent quand même soutenu par les grandes associations antiracistes, comme la Maison des Potes, que nous remercions de nous avoir invités. Mais c'est vrai que nous sommes quand même très isolés. Et on a beaucoup de mal à avancer parce que le moindre faux pas nous vaut un procès. On ne peut pas louer de salle parce qu'on nous la refuse, on ne répond pas simplement. Voilà, on n'a pas de visibilité sauf si on court après la presse ou les médias pour se faire entendre, ce qu'on n'hésite pas à faire d'ailleurs. Merci.